Qu'est-ce que tu regardes, papa? Bah écoute, je suis impressionné par ces constructions. Cette année, pour mon voyage aux États-Unis, je prends mon papa avec moi. C'est la première fois qu'il vole en business class et j'en profite pour t'emmener avec nous dans ce voyage et en même temps de te faire découvrir la business class d'Air France dans ce Boeing 777. On va découvrir ça ensemble. Je te présente mon papa. On part ensemble aux États-Unis faire un road trip. Un road trip. T'as jamais entendu parler d'un road trip? Non, et c'est quoi, c'est un road trip? Voilà, et donc comme papa est belge, bah, t'as de temps en temps une petite rechute. Hein. Voilà, je te présente mon papa et dans cette vidéo, nous allons ensemble voyager business class et on va voir si c'est vraiment agréable de voyager en business. Enfin, il est vrai que jusqu'ici, pour passer la douane et passer pour les bagages, c'était super. Hein. Oui, hein. J'ai jamais 21 minutes pour tout faire. Entre le moment où on rentre dans l'aéroport et on passe derrière les douanes, c'est 21 minutes. Ça va plus vite. Hein. Et puis, on est allé dans le salon, dans le lounge, et on a pu nous asseoir et attendre l'avion confortablement dans un fauteuil. C'est plutôt agréable. Hein. Plutôt, oui. Et alors, on peut boire comme on veut, à volonté, on peut manger. Tiens, dans la preuve d'ailleurs, tu bois encore. Voilà, je bois encore. Ouais. Reste accroché à cette vidéo, ça va devenir passionnant. Hein, mais à qui tu parles là? Là, je parle à mes abonnés. Je parle à mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Oh, salut les abonnés. Mais tant qu'à faire, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, clique sur la cloche et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker. Hein. Voilà. Ouais. Tu vois, donc YouTube, c'est pas que pour les jeunes, hein, t'as vu. Hein. Oui, oui, oui. Hein, mais nous, on est jeunes encore. Hein. Ouais. C'est juste qu'on est jeunes plus longtemps que vous. Oui, enfin, oui, on est jeune encore. Oui, 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 mais physiquement, on le sent quand même. Hein. Ça, il faut pas le dire, ça se voit pas. Ah, hein. Oh, ah, ça se voit oh, pas. Bah non. C'est gentil, ça. La découverte du siège, ben il faut reconnaître que là franchement c'est pas la classe bétaillère, hein. C'est pas la classe du pauvre là, hein. Moi ce que je vais aller faire maintenant, je vais aller en classe bétaillère et je vais dire oh là ça prend moi les pauvres ici, hein. Mais t'es pire que moi toi. Ça va, tu t'en sors papa? Oui. Ça a l'air compliqué? Non. Mais je prends mon temps, je me régale. T'as raison. Je me régale. Et ça, c'est quoi? Allô, allô? Ici Joseph. Comment tu vas? Tu me réponds? Et tu n'entends plus rien avec ces casques. Hein? Quand tu mets ça à tes oreilles? Oui. C'est comme le Bose. Le Bose? C'est comme le Bose, ouais. La Bose, c'est autre chose. Vas-y, installe-toi. Ouais. Tu découvres là. Attends, ça c'est quoi ce choix? Non, ça c'est pour fermer, non, ça c'est, ah, c'est oui. Le truc pour fermer le... C'est pas l'interrupteur. Attends, sur les prises de courant. Là, en dessous, regarde. Là, regarde. Mais de toute façon, avant le décollage, tu pourras pas le mettre, hein. Il faudra décoller d'abord. Hein. Mais c'est une prise américaine? Oui, non, mais vas-y, c'est dedans, c'est but international, regarde. Ah, comme ça? Ouais, voilà, c'est bon. D'accord. Voilà. Et alors, les prises USB, là, en dessous. Ah ouais, d'accord. Ici. On est en train d'installer tout ton matos là. Ah ouais. Ça va, t'as assez de place tu crois? Ouais, ça va être juste, hein, parce que quand j'aurai installé tout mon matos, j'aurai plus de place pour mes jours. Ton papa il est venu avec tout son bureau. Regarde, on peut mettre ses pieds là. Non. Bah oui, tu peux mettre tes pieds. Et attends, c'est pas fini. Ouais. Ici là. Là. Ouais. Regarde. Ah, peut-être ça marche pas encore, il faut. Oui, si ça marche. Ça marche? Attends, pour avancer ça. Ah voilà, voilà. Il y a papa qui glisse. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il va s'arrêter un moment donné. Et là. Et ça recule plus? Oui. Ah ça recule? Ouais. Et ça c'est quoi la ventilation ou quelque chose? Non le soleil. C'est quoi? Non ça c'est la lumière. C'est pas le soleil. Quelle lumière? Là. Tu vois, là. La lumière elle est là. Là. Ah ouais mais ça marche pas. Attends. Je vois une lumière s'allumer. Là. Ah c'est là-dedans. C'est là-dedans la lumière. C'est pour voir Joseph? C'est pour voir Joseph. Et ça, c'est pour te coucher. C'est pas souci pour se coucher. Bon, on verra ça après. Ah,
J'arrive, Joseph. Bon, on va pas reculer. Là. Voilà. Oh. Regarde le coussin. Le coussin, même le coussin. Waouh. Ça, c'est la couverture. Et le pyjama. Ah, magnifique. Mais il n'y a pas une poubelle ici. Tu donneras à l'hôtesse. Bon, alors on va boire les premiers. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Hein. Oui, enfin je vais quand même essayer. Ils sont plus durs, il faut les sièges. Hein. Je préfère le siège. quand même. La jalousie. Oui, regarde, tu te dis. Oui, mais casse pas tout, hein. Ça casse pas, je sais. Ça descend plus. Attends, si, ça descendait. Ah non, ça descend plus. Ah si, voilà. T'es en train de jouer, là, c'est pas... Oh, regarde. Oh. Non, ne viens pas trop longtemps, là, ça va te frustrer, après. Non, je vais me contenter, parce que j'ai pas mal, ça. Pas mal, quand même. Ah, ça y est. C'est pareil. Ça y est. Ça va le faire ? Il n'y a personne pour rester ici. T'entends ? Non, c'est parce que là, tu n'es pas en position couchette. Ça, c'est la position couchette. Ah, ouais, voilà. Bah, tu fais quoi, là ? Ben, c'est pour le dentiste. Oui, bonjour, c'est pour les dents. Alors, c'est une découverte, hein, se coucher dans un avion. Ça va être compliqué, hein. Voilà. Là, il faut se relever. Monsieur, bonjour. Oh, bonjour. Faut pas vous installer comme ça, par contre, si vous... Pourquoi ? Vas-y. Vas-y, il y a un bouton là. Oui, il y a un bouton, oui. C'est pour mettre un porte-manteau. C'est encore. Oui. Excusez-moi. Allez-y. En plus, j'avais l'écran dans la figure. Et là, il y a encore un bouton, là. Regarde, là. Encore un bouton aussi. Wow. Oh, oui. Et ça, c'est pour mettre en danse. Ouais, viens, on fait un selfie. Hein? Un selfie? Ça, c'est ouais, ouais. Ouais, viens, allez, viens. Ça promet. Ouais, mais il faudrait mettre ça. Ça promet. Voilà. Ah, voilà, ça va mieux. Coucou. Ouais, coucou. Ça se marche là, ici, moi. On est parti pour 2 semaines et demie, ça promet. T'as reçu la petite pochette de courtoisie. Oui. Là. Oui. D'accord. Et t'as reçu le menu parce que tu peux choisir ce que tu vas manger. Ah. Ah, il y a un brunch aussi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vers 11h, on peut... Apparemment, ouais. Oh. Chou à la framboise. Ben, bienvenue dans la gastronomie française. Tu penses pas que c'est américain, tout ça? Chou à la framboise. Peut-être sur Air France. À la porte, vous m'avez fait peur. Colgate. Ouais. Tu penses que c'est? Ben, il faut retourner au... Là, attends, là, Clarins. Attends. Ouais, c'est bien, et alors? Ben, c'est une marque de... Oui, je suis d'accord, mais ça peut quoi faire? Pour t'hydrater, c'est un baume à lèvres. À c'est lèvres. Un baume pour les lèvres. Si t'as les lèvres gercées? Non. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Mais c'est bizarre, d'habitude, il y a des poils sur la brosse oui, mais à dents. Faut...
Ça va être dur, hein. Ouais, ça va être dur, oui. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Jean-Yves Planchon, le président de ce vol à destination de New York. Bienvenue à bord de ce Boeing 737. Faut ouvrir ici. Nous venons de fermer les portes, le départ est prévu à l'heure dans quelques instants. Un vol de 7h20, des très bonnes conditions de vol sur l'Atlantique et également à l'arrivée à New York, où le temps est prévu très beau avec une température qui sera de 30 degrés. On schedule. 7 hours. Ça, c'est la boule, yes. Ça, c'est pour quoi les... Ouais. Thank you for your attention. And you know, under the care of Miss Laurence Romillac, your principal chief purser, which voilà. Was very pleasant. Y a rien d'autre, t'as tout vidé? Non, y a d'autres choses encore. Regarde pour les chausse-pieds, t'as même un chausse-pied, regarde. Pour tes chaussures. Non, c'est pour me garder le dos. Non, c'est pour les pieds. Parce que moi, que je suis à la maison, j'en ai un long et j'aime bien plus. Dis, t'es en classe affaire quand même. Hmm? T'es en classe affaire. Comporte-toi comme un homme d'affaires. Tu crois? Pourquoi c'est pas bon, quoi, ce que j'ai fait? Tu fais ce que tu on veux. On recommence tout alors. C'est pour ça qu'on est bien, donc on peut pas sur les mêmes. Oui, on peut y mettre les joues. Ouais, enfin, à cette vitesse-là, c'est plutôt 3 semaines. À cette vitesse-là, ouais, et en plus, on va en marche arrière. Non, là, on marche avant, là. On en marche avant, c'est bon. Allez, changez de direction. On voit les croix de teint. Allez! Thank you.
de l'ascendant pour le lapin. Ça, c'est pour Michel. Plastique, non. Alors t'as reçu un chocolat chaud en plus. Et un chocolat chaud, ouais. Et c'est pas du poisson, hein, c'est du poulet. Hein. Oui, oui. Donc t'as commandé un chocolat chaud, t'as reçu ton chocolat chaud aussi. Chocolat chaud. Et nous voilà arrivés à New York et on est dans le Uber. Et là, papa a des difficultés avec la ceinture. On va en trouver une autre. Là, c'est pas non, parce que c'est pas la bonne. Là, voilà. Voilà, voilà. Alors, comment c'est New York? Comment je sais pas, j'ai encore rien vu. Bon, enfin, ce que tu vois, l'air n'est pas le même. Hein. Non, c'est vrai, on respire difficilement. Bon, à la douane, ça s'est bien passé. Ah, ça, il faut dire que là... Tout est automatisé maintenant. Première fois que je vois que ça va aussi vite. Tant en France qu'ici. Hein. Ah ouais, ça se passe. Et on est en plein mois de juillet. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'avion, on nous donne des fascicules, enfin, pas des fascicules, un billet à remplir pour la douane. Vous savez, si vous transportez de la nourriture, de l'argent, des devises, etc. Et au fond, on n'en a pas besoin parce que ça se fait de façon électronique, sur des bornes. Donc, je ne comprends pas. Dans l'avion, on nous donne donc ces formulaires à remplir. Et en fait, on n'en a absolument pas besoin parce que ça se fait de façon complètement automatique. Et là, je me fais filmer de tous les côtés. Voilà. C'est ce qui s'appelle être filmé en stéréo. Voilà. Exactement. Tu fais quoi, là? Bah, je te filme. Bah, en vertical? Depuis quand tu me filmes en vertical? Oh, bah, c'est n'importe comment. Oui, mais là... Comme ça, alors, tu préfères comme ça? Oui, si tu veux. Ah, bah, tu le dis en vertical, mais pas bon. Tu fais ce que tu veux, hein. Ah. Une télé, elle est horizontale, hein, elle n'est pas verticale. Hein. Bon, ça dépend. Si tu vas sur Snapchat, sur Instagram, tu peux... Ouais. Et alors, comment faire, alors? Oui, mais non, mais ça, c'est pas pour les vieux, tu vas pas comprendre. Faut tout recommencer à zéro. Mais non, allez. Tu me dis que quand c'est pas bon, alors comment il faut faire? Mais comme tu veux, papa. Mais comme... non, mais si. Oui, mais si moi je vais faire un montage avec ça. Ah, parce qu'en plus tu te tournes de côté d'un autre. Ouais, mais comment on va?
parce que ton écran ça tombe dans tous les... Et alors comment on filme maintenant? C'est bon comme ça maintenant? Oui, comme ça, oui. En horizontal. Ok, ben voilà. Et pourquoi dans l'autre sens? Mais là, je suis pas trop près, regarde, je suis carrément... Mais si, mais t'as pas besoin de mettre ton nez sur ma caméra. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, écoute, mais regarde quand comme c'est beau, là. Enfin bon, c'est l'aéroport. Hein. Oui. C'est pas grand chose à regarder. À l'hôtel ce soir, je t'appelle. Oh, Michel. Oui. Regarde un peu. Quoi? No trespassing. Ça veut dire que tu peux pas trépasser ici. Tu peux crever ailleurs, mais pas ici. Ouais, alors tu peux crever. Là, là, tu peux crever. Là, là, mais là, ici. Tu ne peux pas trépasser là. Voilà, tu ne peux pas. Trépasse pas là. Voilà, il y a des endroits où tu peux mourir et d'autres où tu n'as pas le droit de mourir. C'est quand même bien de le dire. Ah, hein. Voilà, là, là, par exemple, là, t'agonises. Oui, là, là. Là, donc là, là, t'agonises. T'agonises, t'agonises. Ouais. Et là, tu n'as pas le droit de mourir. T'agonises. Et là, 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 tu peux trépasser. Et là, tu trépasses. Et là, si tu trépasses avant, on choque dans le pas jusqu'à ce que tu arrives ici. Ça y est, c'est New York là maintenant pour ah, toi. Ah oui, maintenant, ah oui, ça c'est New York. Attends, c'est encore rien ça, c'est des petits bâtiments ça. C'est des... Ouais, on va aller là-bas là. On doit aller là-bas. On va passer par là, viens. On va peut-être à Londres ou à Kyoto. Londres. Ouais, ouais. Voilà, elle est là, la Trinity Church, elle est là, regarde. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, elle est là. Alors maintenant, ça te fait quoi d'être ici? Maintenant, je me sens à New York, tu vois. Là, on est à Ground Zero quand même. Ouais, hein. Dans le Bronx, à Brooklyn. On était à Brooklyn. Oui, à Brooklyn, je m'y sentais pas encore. Bon, ben mais là, ici, c'est mieux. Là, je sais que j'y suis. Hein. Si tu regardes ce bâtiment en construction, tu vois qu'ils sont occupés à monter... Lequel? Ah oui, oui, d'accord, ils ouais. Sont occupés à monter une bétonnière ouais. Remplie de béton. Oui, forcément, oui, parce que alors, une bétonnière pleine de... Ouais, pleine de vide, ouais, mais quand elle descend, elle est vide. Hein. Ouais, ça peut être une bétonnière pleine de chocolat aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et alors? Bon, ouais, quoi? C'est un peu sérieux. Oui, pardon, alors, excuse-moi, oui. Alors, tu sais qu'ils sont limités par la hauteur des bâtiments. Hein. Comment ça, ils sont limités par la hauteur ouais, des bâtiments? Parce que s'ils le font trop haut, le temps que ce truc monte jusqu'en haut, le béton est sec dedans. mais c'est pas. Je pensais que j'étais le seul. voilà. Donc, le père et le fils. Hein. Donc il faut pas que le béton soit trop humide ou trop sec. Non, il faut qu'il soit plutôt humide si tu veux qu'il arrive en haut et qu'il soit encore. D'accord, donc là-haut, maintenant il descend parce que ça risque d'être un bloc. Non, maintenant il descend parce qu'il a vidé. Ah d'accord. Mais si il continue à monter ce bâtiment trop haut, ben il n'arrivera jamais en haut. Enfin, si avec le béton sec. Il y a une forme de logique, hein. Il y a une... Mais c'est qu'une forme. Faut pas regarder l'écran, faut regarder l'objectif. Oh, voilà. Oh. Regardez l'objectif, on te dit. L'objectif. Dis bonjour à mes abonnés. Bonjour les abonnés. Voilà. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu. Un petit. Oui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu là. Et si vous n'avez pas aimé, quand même, pour nous encourager, si voilà, pour nous améliorer. De toute façon, vous regardez, vous mettez le pouce. Voilà. Non, ça t'apprendra à regarder. Voilà. Donc, c'est le prix que ça coûte. Voilà. Tu regardes, pouce bleu. Voilà. Et là, vous avez vu là, New York derrière, et nous devant. C'est particulier, nous devant. Ah ouais, ouais. Normalement, on devrait faire payer, mais bon, allez. On te fait économiser 37 dollars quand même, hein, parce oui, que pour venir ici, c'est 37 dollars par personne. Bon. Pour les vieux. Oui, c'est ça. Pour c'est les 35 vieux, dollars. Oui, 2 dollars, on a gagné 2 dollars. Et si tu regardes et que tu as moins de 5 ans, c'est gratuit. Oh! Oh! Waouh! On a l'impression qu'on tourne, dis donc. Ouais. Ouais. Ouf, tout à fait.
Non, c'est magnifique. C'est magnifique. On est dans l'ascenseur. Ouais. C'est, nos sens sont, ouais, sont un peu brouillés. On dirait que tu sens. Ouais. On y est déjà. Wow. C'est impressionnant. Thank you for visiting One World Observatory. Et je suis à la fin.